Que penses-tu du parcours de l'Union cette année, so far? Mitigé, mais voilà, tout le monde dit, nous on répète que c'est un apprentissage en top 14. C'est vrai qu'on manque l'expérience, mais je sais qu'on a la marge de progression, donc je ne suis pas inquiété. Je pense qu'on a de belles choses dans l'avenir. Et qu'as-tu pensé de la saison dernière, mis à part évidemment l'accession? Quel était, à ton avis, le moment clé l'an dernier qui a créé un peu cette osmose qu'on ressent dans l'équipe et ce véritable état d'esprit? Ouais, je pense qu'on a eu plaisir, mais je me souviens de. Je sais qu'à Dax, le match gagné à Dax à 14, c'était vraiment parce qu'on a besoin de victoire. C'était pas dans la circonstance idéale, mais on a gagné quand même. Là, on a vu un groupe solide. Et après, on a vu beaucoup de choses, tu vois. Mais depuis le début, j'ai senti, même. Avant qu'on ait démarré le championnat, on a senti qu'on a eu des qualités, mais en plus que ça, on a des qualités dans les hommes qui étaient intéressantes, quoi. Les mecs qui ont vraiment envie de faire quelque chose. C'est ça qui a fait la différence, c'est pas rien d'autre. Et cette année, tu vois la saison comment? Long, mais bien, positive. Je suis toujours optimiste, donc. Peut-être pas de bonus cette année, mais en vrai. Hein. Et au niveau de l'ambiance dans les tribunes, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà beaucoup ressenti dans ta carrière? Tu as vécu Oui, de grands rendez-vous, ouais. mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se reproduire souvent à Bordeaux et... J'espère, parce que c'était formidable. Et c'est formidable, c'est indispensable. Mais j'étais étonné par le fait que le public sont venus assez vite. Donc, malgré le fait qu'on a monté, tu vois, de sentir qu'ils ont prêté nous soutien, déjà, c'est bien, très bien. Quel est ton lieu préféré à Bordeaux? C'est dur, c'est là. Oui. Je vais dire le House of Parliament, Voilà, parce bien sûr. que, tu vois, c'est pas souvent on trouve une deuxième maison, donc. Oui. J'étais content de le trouver. Ton plus beau souvenir de rugby. J'ai beaucoup aussi. Premier match de Edge Cup. Deux titres de Pro League 2. Premier match à Chavannes. Parce que même si le match lui-même, c'était pas une grosse importance, pour moi, c'était important, c'était une grosse étape dans ma vie, dans la vie des clubs. Donc, C'est dur d'être capitaine à Bordeaux? non, non. Ça dépend des joueurs avec qui tu évolues, j'imagine. Ça dépend le jour. C'est toujours facile d'être capitaine quand tout va bien. Donc, pour l'instant, tout va bien. J'espère que ça va continuer d'aller bien, mais voilà, pour l'instant c'est assez facile. Tu sais parler maori? Quelques mots. Tu peux nous dire quelques mots? Oui. Kiora. Farkalongamwe. Tout le bon. Je connais pas la phrase de Kant, je pense qu'ils n'y ont pas. Qu'est-ce que représente pour toi le haka? C'est un symbole. C'est un symbole de tout ce qui est bien de notre pays, une fierté de notre équipe, notre force. Donc, ça représente beaucoup de choses. Comment tu évalues les chances de ton pays, la Nouvelle-Zélande, à la Coupe du Monde? 50-50. Il faut qu'on arrive en finale d'abord. Je pense que si on arrive en finale, le pourcentage, ça va augmenter beaucoup. Et le France-Nouvelle-Zélande, des poules. Un massacre. C'est quoi ta couleur préférée? Le rouge de Bordeaux. Well done. Est-ce que tu as une chanson préférée?
Non, j'ai pissé un peu de tout. Tous les styles, tous les artistes. Every day I'm shuffling. Est-ce que tu es croyant, Mathieu? Mathieu? J'étais croyant, mais un peu moins maintenant. Ouais. Mais je crois en beaucoup de choses, mais c'est un peu moins. Ouais, d'accord. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, quand j'ai le temps. Quel genre de livre? Plutôt de trucs, comment dire en français, l'espionnage, le style James Bond. Mm-hmm. Donc j'y viens de finir une très bon. Le dernier de James Bond. C'est James Bond. Ouais. C'est mm-hmm. Super. Super livre. Ton instant préféré dans la journée? La fin de journée. Fin je de suis journée. Plutôt nocturne, donc le soir. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir hors rugby? Au rugby, la naissance de mon fils. Mm-hmm. Donc, Est-ce que tu parles en français à ton fils? Pas souvent. Il fait ça chez le nounou. On voit que tu habites dans une belle maison. Tu aimes l'argent? Je connais son importance dans notre vie, c'est tout. Est-ce que tu aimes le cochon? J'adore. C'est ma viande préférée. Voilà, tout ce qui est... Ah, excuse-moi. Quel est le journal que tu lis le plus? Ah, le Middle. Oh, that was so natural. Bien sûr. Voilà, voilà. Le Middle, ouais, c'est ça. Et quel est ton président préféré? Sarkozy. C'est pas Laurent Marty? Mais oui, bien sûr. Et ton entraîneur préféré? Moi, j'étais touché par tous les entraîneurs que j'ai croisés dans ma carrière, donc je peux pas choisir une seule. C'est Michel. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens gardent comme image de toi? Si jamais demain tu repartais en Nouvelle-Zélande, tu voudrais qu'ils disent quoi sur Mathieu? Que j'ai tout fait pour... J'ai tout donné. J'ai donné au fond de moi-même pour que le club avance, pour que... Pour que le club vive encore le beau journée, quoi. C'est tout. Et le plus important, c'est que... Dans ma vie, je trouve plus important que... Tout le monde dit que j'étais bon mec, qu'un bon rugbyman. Un bon mec ou un beau mec? Le deux, s'il faut. Mais... mais un bon mec. Plutôt que si j'ai le choix entre super rugbyman ou un homme bon, je choisis un bon homme.